Le gars, il m'a TP, mais... Ah, il est là où? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck, gros? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bienvenue dans l'épisode numéro 2. En tout cas, je suis très content de sortir cet épisode numéro 2. Vous allez retrouver du farm, vous allez retrouver bah, une grande base claim à laquelle j'ai été téléporté durant mon rush dans les mines. Et vous allez voir également combien je vends quelques blocs dans le slash H. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Plus tu vas liker, plus tu as des points boutique à gagner. Tu as le gagnant de la première vidéo qui s'affiche à l'écran juste en dessous. Je t'invite à me MP sur Discord. Très bonne vidéo à toi et très bonne aventure. Ok les amis, bienvenue dans l'épisode numéro 2. Et aujourd'hui, on va aller faire les mines, on va aller tester les mines sur PvP Warcraft, j'espère qu'ils vont être rentables. Donc effectivement, vous pouvez voir que mon argent a augmenté, mais c'est normal, honnêtement, j'ai commencé un peu à miner, et les mines sont très rentables. J'ai pas continué pour voilà, faire la vidéo avec vous ensemble. Donc n'oubliez pas bah, de liker, de déposer votre commentaire si vous souhaitez être recruté dans ma faction, et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour recevoir la petite notif quand je sors une vidéo sur la chaîne YouTube. Alors du coup, on va faire les mines, on va prendre la pioche, une pioche de Athéna, on va la reaper-roll pour être en sécurité. Alors pour aller dans les mines, c'est simple, hein. Hop, on va aller dans la mine MVP évidemment. Ah, je vois qu'il y a déjà un joueur qui... Il y a des joueurs qui sont déjà en train de la pécho. Je sais pas trop ce que ça va donner, donc là on a déjà des bronzes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre comme ça en place. On met tout de suite en place l'inventaire pour éviter... Bah, qu'il soit rempli de merde. On va prendre les blocs d'or aussi. Les blocs d'or en vrai c'est bien, parce que c'est le bloc le plus résistant du serveur. Donc on va essayer de farm aussi un maximum ces blocs d'or, histoire qu'on, dans la future base qu'on va faire avec la faction la fidèle, bah être tranquille. Ah, je viens d'avoir un drague d'or. Wow, ça c'est canon, très canon. Après voilà, il y a de la clay pardon, dans les mines. C'est bien aussi pour ceux qui veulent faire de la déco dans les bases et tout. Donc c'est une très bonne idée je pense en vrai. Et puis ça se mine très facilement. Hein. Donc les blocs, voilà, ça se mine très, très bien en fait. Hein. C'est pour ça que c'est assez addict. Honnêtement, je peux passer des heures à miner. Hein. Voilà, je peux raconter ma vie sur cette vidéo en train de miner, en minant, c'est cool. Vous pouvez voir que l'argent monte à gogo également, ça c'est cool. Vous minez, vous gagnez de l'argent, vous gagnez des dragues. Donc ça vraiment, c'est tout est fait pour que les mines soient rentables. Je pense que démarrer par les mines, je pense que c'est très correct. Oh putain, j'ai eu le premier platine les gars, j'ai eu un platine. J'ai eu un platine, ça va être ouf. Putain, on va essayer de farm. J'aimerais bien avoir une T22 en vrai. Assez stylé quand même. Putain, il y a des gens, ils ont des pioches de ouf. Je les entends miner à côté de moi. Ok, donc les gars là, on va voir un petit peu ce qu'on a au PNJ. Donc on va au spawn, on va aller voir un petit peu bah, ce qu'on peut avoir tranquillou avec tout ce qu'on vient d'avoir comme drachme. Donc j'espère que ça va être assez intéressant. Donc déjà je pense qu'on va prendre c'est des platines. Donc ce qu'il faut faire c'est ça. Allez, on retourne dans la mine MVP. On va essayer de remplir un maximum les gars de drachme, puisque là c'est important, là il faut qu'on farme nos items comme on a prévu dans cette vidéo là. Il faut y aller, on va y arriver Kev, il faut pas lâcher. Les gens ils ont des pioches de ouf, j'ai pas de pioche de ouf. Qui a une pioche de malade à me donner? Non, il va me passer une pioche. Il va me passer une pioche. Ouais, level 13. C'est pas ouf. Mais en vrai, elle est pas ouf. Hein. Dans le kit MVP, j'aurais pu l'avoir, quoi. Pas pensé à faire mon kit MVP, en vrai. Qu'est-ce qu'ils vendent dans les slash AH? Tiens, on regarde un petit peu. 400 millions! 400 millions, ils vendent ça? Bon, après, c'est des potions de malade aussi, hein. Les blocs d'or, une pioche radius à 10 millions. Chunk Buster, ça c'est pas mal en vrai. Je pense que je vais en acheter en vrai. Les bub-bub, putain, 100 M. 100 M la bub-bub, les gars. 200 M ici. Ah, c'est pas donné, hein. C'est pas donné, hein, les bub-bub là. 2B, putain, les gars, les spawners. Oh là 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 là, putain, j'ai encore de l'argent à me faire là en vrai. Ah là 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 là, j'ai de l'argent à me faire les gars, je vous le dis, j'ai de l'argent à essayer de gagner là. Putain, ouais c'est cher les spawners après, hein. C'est normal, hein. C'est quand même un peu rentable hein, comme économie. Ouais les platines aussi, bah c'est normal que c'est cher les platines aussi. C'est normal. C'est normal. Vas-y les gars, il y a un gars qui TP dans une base sécu. Je fais quoi? Est-ce que j'y vais ou quoi? Putain, je suis en train de miner en plus. Ok, on va y aller les gars, on va y aller. Je sais pas trop c'est quoi. Trial name, est-ce que j'ai le droit de faire ça en jeu? Ouais, alors slash TPA, esprit soigneux. Les mecs, j'espère que je vais pas me faire péter. Hein. Les mecs. J'ai pas eu ce qui est le gars. Le gars, il m'a TP, mais... Ah, il est là où? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck, gros? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je pense que je suis en train de... Là, attends, mais attends, on va sécuriser tout ça, gros, parce que je suis en train de... Je me suis téléporté comme ça, gros, à la va-vite, mais attends, on sait jamais, là. Qu'est-ce qui se passe? Wow, ça doit être une base de malade. Ça doit être une base de ouf.
Regardez le joueur. Est-ce que je le tape, les gars? Est-ce que vous pensez que je devrais le taper? Est-ce que vous pensez que je le tape? Non, non, non. Vous ne pouvez pas attaquer. F ennemi. Amazing. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, c'est la première faction avec qui je suis ennemi, les gars. T'as la base qu'ils ont, gros. Oh. Comment tu veux piller ça, toi? Bon, en tout cas, les gars, alors ce qu'on va faire, donc on a eu une bonne petite récolte du coup pendant les mines. Donc on a 64 drames de bronze et d'argent. Donc l'idée, ça serait qu'on farme des armures Hades. Hein. Honnêtement, c'est les armures les plus cheatées sur le serveur. Donc il faudrait qu'on arrive à farm ces armures Hades. Après, on peut acheter nos premiers spawners aussi, hein, les gars. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Un petit peu ce qu'il propose. Donc il propose à peu près à combien? 200, 300 000, 1 million. Alors, slash H, sell, le prix, je vais vendre 250 000 pour 64. Je les mets en vente, les gars. On va voir si ça achète au moins. Ça me ferait aussi de l'argent en plus avec les mines. Je vais regarder si ça a bien pris en compte. Énergie, ouais, ok, je les vends 250 000 le stack. Je pense que c'est pas mal en vrai. Allez, vous savez quoi? On va se faire un petit PV déco. Ça sera pour, tu vois, quand on aura peut-être un FOM ou quoi. On laisse ça de côté, ça peut peut-être servir pour un prochain épisode ou quoi, on sait jamais, tu vois quoi. En tout cas, les gars, j'espère que cet épisode numéro 2 vous a fait plaisir. J'espère que ce petit rush argent, c'est le premier hein, qu'on est en train de faire ensemble sur les mines et tout. Donc voilà, on va essayer de gagner de l'argent un maximum pour essayer tout doucement d'avoir des spawners et puis faire tourner notre économie avec un petit compte AFK. Et voilà, hein, on fait tourner les spawners, tranquillou. En tout cas, si tu aimes bien cette série, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à activer la cloche et à commenter tes avis dans... sur cette petite série que je suis en train de lancer. En tout cas, ça me fait grave plaisir de faire des vidéos comme ça avec vous. Voilà. Bye bye tout le monde, c'était Kev.